Salut à tous, c'est Davy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer, je vais y arriver, sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc les amis, le sujet d'aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, c'est la page Instagram de Roblox. Ils ont mis une publication qui m'a interpellé. Donc voici la publication. Ils nous font voir qu'on peut mettre des pantalons, mais vraiment des vrais pantalons. Mais comme on peut voir en vrai tout simplement. Parce que c'est pas du tout comme ça sur Roblox, donc ça me paraît bizarre. Et je sais pas quand ils vont mettre ce genre de mise à jour sur Roblox. J'espère que c'est bientôt. Et les vestes, pareil, les vestes, ils sont en 3D. Avant, c'était pas comme ça. Donc, j'ai trop hâte que Roblox mette ça bientôt à jour pour que tous les joueurs fassent des skins. Qui a l'air réel, tout simplement. Voilà, qui a l'air réel. Comme le skin que vous venez de voir, pas celui-là, mais l'autre, bah ce skin-là, normalement, on peut pas rajouter de t-shirt ni de pantalon. Donc, c'est plutôt pas mal de la part de Roblox. Ils ont fait une grosse... Enfin, ils vont faire une grosse mise à jour sur ce sujet. Donc, je pense que ça va marcher. Donc voilà. Et ils ont aussi publié ça quand? Le 14 octobre. Apparemment, nous allons avoir des expressions de visage qui bougent quand on n'est pas content. On est content. On va avoir ce genre d'expression de visage. Donc je sais pas si ça va être intégré sur nos skins Roblox. Ou alors, tout simplement, si c'est des animojis pour les conversations sur Roblox. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous savez quelque chose, les amis. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, les amis. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao.